Et qui aussi fait un concours qui a été un petit peu oublié, c'est le concours de toupie. Ça existe. Bonjour, vous vous appelez comment ? Jim. Bonjour Jim. Alors vous, vous êtes champion de toupie. Oui, c'est une discipline qui n'est pas nouvelle, ça date des années. Qui est plutôt réservée aux enfants d'habitude. Oui, alors il y a les toupies qu'on peut lancer comme ça à la main, ouais, juste, ça, et puis il y a les toupies qu'on lance comme ça avec une ficelle. Ça, c'est de la toupie de compétition ? Non, ça reste un jouet. Hein. Mais est-ce qu'il y a vraiment des championnats de France de toupie ? Bah oui, il y en a un depuis 2 ans, ça y est, on a réussi à avoir 10 ou 12 joueurs vraiment d'un très bon niveau. Ah, 10 ou 12 ans, quand même. Vous êtes champion vous-même ? Ben oui, moi j'ai eu le titre cette année. J'ai réussi à être champion de France. Donc je vais vous montrer. Je la lance pas par terre, je la lance directement dans ma main. C'est possible. Comme... Il y a des figures de toupie. Il y a des figures de toupie, comme d'accord. On verra le yo-yo tout à l'heure. D'accord, ok. Alors montrez-nous comment on fait de la toupie. Ah oui, ouais, quand même. D'accord, ok. Ouais. Il faut un certain sens de l'équipe sur les mains. Alors là, vous faites passer sur le doigt. C'est combien d'années pour en arriver là ? Ça, c'est 2-3 jours, hein, pas plus. C'est rien, ça a l'air compliqué, c'est très facile. Alors en fait, dans les championnats, vous êtes jugé sur quoi ? Sur les figures, sur l'esthétisme ? Sur les figures, sur la musique. Ah, il y a de la musique, vous dansez aussi ? Et la toupie danse sur la musique. Ah, d'accord. Et est-ce que le matériel est important ? Est-ce qu'il y a plusieurs races de toupies ? De la toupie qui tourne au mieux, de la toupie américaine, j'ai envie. Oui, toutes ces toupies ont un petit roulement à billes qui facilite, il y a moins de frottement, et donc on peut facilement comme ça faire des figures. Moi, je vais essayer. Ouais, attention aux yeux. Je suis désolé. Attends, je vais venir voir. Je suis désolé. C'est quoi la technique pour lancer ? Refaites-moi la lancer. On la lance à l'envers. Ouais, attendez. Elle se déroule. J'ai envie de voir de plus près. Elle se déroule. Ouais. Elle tourne. Et elle se tourne. Et à ce moment-là, je fais un petit tiré. Je peux me mettre là, je risque rien. Et tu ne risques rien en étant là. Ok. Allez, quand même. Alors, j'y suis presque. Et ça, quand vous êtes en compète ? Ouais. Vas-y. Ah, yeah ! Il y a de la toupie. Yeah, merde. Putain. Bon, Nico, va te remettre en place parce que là, on a envie de vous montrer des images parce que c'est bravo d'abord. Bravo à vous. Il est quand même champion de France de toupie. Vous saviez pas, il y a encore 10 minutes que ça existait et il est ici sur ce plateau avec nous. C'est un sport que vous pratiquez depuis que vous êtes enfant, j'imagine. Non, la toupie. Pas du tout. Ah ça non, fait. Que je fais ça. Après le yo-yo, c'est une phase suivante du yo-yo. Vous avez évolué après le yo-yo. Nous, on avait envie donc, de vous montrer des choses d'enfants parce que les enfants aussi sont formidables dans cette émission. Oui, monsieur. Tout de suite d'un top avec Nicolas Deuil. Quand les enfants prennent le pouvoir, de temps en temps, c'est inquiétant. On va retrouver un...